Salut à tous, on se retrouve sur Ardent Craft. Donc, j'ai fait plusieurs petits tests hors cam en fait, ici là pour ça, et de MFE. Et ben, dès que je lance un truc dans le marécage ou le Metal Former ou autre, ça fait exploser. Comme avec le compresseur que j'avais mis ici. J'ai mis d'autres câbles qui ont explosé aussi. Donc là, si je mets câble. Hop, on va aller trouver les câbles. Les câbles ici. Non, c'est pas ceux-là, c'est ceux-là qui sont ici. J'ai mis en copper, ça a explosé aussi. Donc j'ai pas testé les autres, mais bon. Je ne sais pas pourquoi ça explose. Soit qu'il y a une surcharge d'énergie qui passe dans le câble et qui fait exploser, ou je sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais c'est pas grave, on va servir des batteries pour générer le courant. Alors, la dernière fois, je voulais finir ça, la partie du haut là. Donc, Iron Fence se fait avec. Hop. Alors, Iron. Avec ceci. Et je crois que. Hop. Il en faut 16. Donc dans le Metal Former, en cut, en extracting comme ça. Donc bien évidemment, on va reprendre des batteries. Non, c'est batterie comme ceci. Ok, ça les a stackés. Je sais pas si c'est bon ou pas. Donc là, ça en fait déjà deux. Hop. Il m'en faut 16. Donc en attendant que ça se fasse, on va regarder ce qu'on pourrait faire d'autre. Parce qu'en fait, c'est peut-être pas ça qu'il faut de base. Il faudrait peut-être ça, un transformer. Un Energy Storage Upgrade. Energy Storage Upgrade. Donc c'est une batterie, c'est ça, et il m'en faudrait qu'une seule. Donc ceci avec ça. Hop. Et le reste, j'ai tout, donc. Donc là, ça a vidé le la batterie entièrement. Voilà. Hop. Donc là, je suis déjà à 8, donc je suis déjà à la moitié, donc ça, c'est cool. Qu'on va continuer un peu les upgrades. Donc la redstone. Alors, red. Redstone. Pam, pam, pam. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Des tines à levier. Ok. Donc levier, c'est simple. Et ceci aussi. Donc pour l'instant, j'en ai pas besoin. Ceci, c'est un éjecteur upgrade. Éjecteur upgrade. Le premier. Un piston. Et des tin plates. Ok. J'ai plus de tin plate. Ah non, effectivement. Ah, ok, ça me l'a pas fait. Non, merci. Si on jette. Tin. Ça m'en a fait 16, ça va être suffisant. Ok, l'éjecteur upgrade c'est fait. Un advanced il me faut, donc c'est celui-là d'à côté. Ah, donc l'advanced on peut pas le faire, donc laissez-moi 30 secondes que je regarde comment on pourrait le faire. Pom, pom, pom.
Parce qu'en même temps, j'ai mon PC portable à côté avec le wiki en fait de Industrial Craft parce que y a certaines choses que je ne comprends pas. Et pour l'instant, je trouve pas de temps. Je peux peut-être en mettant des piles. Non. Bah je ne sais pas pour ça. Ok, donc ça c'est bon. Ça il me faudrait des piles. C'est vrai quand elles sont stackées, ils veulent pas. Hop, parfait. En fait, ici, c'est instant que là, c'est galère. Ok. On va juste remettre une petite pile. Voilà. Ici, j'en ai besoin. Est-ce que ça peut rentrer là-dedans? Non. Est-ce que ça peut rentrer là-dedans? Non. Non plus. Ok, bon bah celui-là on va le faire passer autrement. C'est le numéro 455. Parce que voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. 455. Je trouve pas, je passe. Ah, par contre, les Iron Fence. Use in magnetizer. Ouais. Mais le magnétiseur est juste après. Ok, bon, on va le faire sauter aussi celui-là. 487. Hop. 487. Ok. Et le magnétiseur, je l'avais déjà? Mais non. Attends, ça m'avait dit quoi là? Je sais pas. Ma magnétiseur, on va se le faire quand même. Alors, c'est ceci, donc c'est une basique de. Ok. Hop. Ok, c'est vrai. Il manque ceci. À quoi ça sert? Moi, je le pose, mais. No métal. No métal. Pourquoi il me trouve mes bottes? Ah, il faut de l'électricité, ok. No métal shawl détecté.
On va reprendre mes bottes quand même. Hein. Puis on casse et puis ça, tant pis. Hop. Ok. On va se finir les fling. Ok. Hop. Donc c'est des tines. Ok, donc ça c'est simple. Et l'autre c'est un advanced que je n'ai pas le craft. 316. Ok, donc ça c'est fait. C'est pas comme si ça me donnait des récompenses donc. Un charge pad. Ah ouais, mais il va me falloir MFE. Il me faut ceci. Et ben on va le prendre et puis c'est tout. Il y a quoi? Il n'y a pas grand chose dedans. Je sais pas pourquoi ils sont comme ça. Ok, ça me l'a enlevé. Donc il m'en fallait 4 énergies. Et comme c'est pas des énergies, c'est des. Énergie, mais bah les petits cristaux rouges là, comment ils s'appellent? Je n'ai plus à temps. Est-ce que j'en aurai encore? Ah si, là j'en ai vu là. Et merde. Guidest, hop, ok, il me faut encore du diamant en poudre crochu. Ok, hop, hop. Ah, t'aurais pas pu me le remplacer. Ok, donc c'était dans l'ex. Non. Non. C'était dans le compresseur, oui, voilà. Tout à fait. Tum, tum, tum. Non, au-dessus. Hop là. Donc je suis déjà à 2. Il m'en faut encore. Encore 2 normalement. Ouais, j'ai pas compris pourquoi. Ah, je sais peut-être en fait. Il sortait du 500 et moi je mettais un câble à 128, un truc comme ça, je pense. Donc, hop là. Alors, on avait dit quoi? On avait dit ça. Ok. Donc ça c'est fait. MFE. Pad. Donc une pressure plate. Ça c'est bon. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Alors, HV transfert. HV transformer.
On pose celui-là. Ah, il manque juste le... Je l'ai pas, ça? On va en faire plusieurs, hein, parce que... Donc là, il me faut le chargeur pad de MFSU. MFSU. Il me faut celui-là. Et celui-là se fait avec du Lapotron Cristal. Lapotron Cristal. Comment se fait ce le cristal là? Elle galère un peu la connexion là. Le Maurice. Ah bah il a le craft. Il appuie l'Azuri Dust, un énergie cristal et des advanced circuits. Et ça t'en fait qu'un seul. Ok. Donc il m'en faudrait 6. Donc il m'en faudra encore 2 cristals. Bah, pourquoi là j'ai le craft? Ok, alors, hop, R, on attend que ça se fasse ça, nous on peut se faire... Il nous en faudra encore. Ok. Alors, il va nous falloir un Advanced Machine Casing. Il nous faut des Advanced Alloy. Du Carbon Plate. Ça et ça, nous n'avons pas les crafts. Donc, normalement, l'alloy, il est là. Ouais. Donc, c'est du Tin Plate, Bronze et Iron. Dans la table de craft. Donc, Plate. Bronze au milieu. C'était marqué là. Tin en bas, je crois. Ouais, tin en bas. Et au-dessus, c'était de la Eron. Nous donne du mixal, mix metal ingot. Donc ça nous donne 2. Et après, on le met dans le compresseur. Donc le compresseur, il est là. Il travaille. Pam, pam. Donc là, on va le laisser travailler tranquillement. Du tin et de l'iron. Iron. On va mettre ça là-dedans. On va mettre des overclocks au pire. J'ai pas ouvert. Ça m'en fait 2. C'est quoi dedans? C'est quoi dedans pour faire ça? De l'eau? Non, pas ça. Ça, on va devoir en refaire un. Et ça. Universel, je sais plus, ça se garde pas ces trucs là. On va mettre de l'eau, on va voir. J'ai pas vu si c'était de l'eau ou pas. Alors ça avec des tin plates. Non, ça c'est du water. IC2 collant. IC2 collant.
C'est quoi dedans? Alors, attendez, on va regarder un truc. Hein. Ok. Industrial. C'est quoi ce grain en fait là-dedans? Parce que. Alors, ils sont où? Ils sont où? Ils sont ici. Ouais, c'est ça pour accélérer le truc. C'est pas grave. Ok, on a déjà nos deux. Mes deux alloys. Là-haut, ça fait du métal. Ça fait du métal, j'ai plus d'énergie, effectivement. Ça va pas aller loin. Pom, pom, pom. Donc on était sur du MF, MFSU. Excusez-moi. Donc ça, il nous fallait ça. Donc ça, normalement, je peux le faire. Celui-là, il est fait. Du carbon plate. Ah oui, effectivement. Alors, c'est du charbon, coal, dust qui se fait. On va reprendre. Hop, on va se refaire de la poudre en fait. Ok, j'étais pas pris. Ah si, pourtant je les avais tout à l'heure. C'est bon, c'est fini? Oh, ok. Attends, on va juste prendre cette batterie là. Dès qu'elle sera vide. En fait, ça consomme à fond. Overclock, j'arrive pas à les faire, donc tant pis. Hop, voilà. J'ai mis une batterie. Alors, ceci, comme ça. Donc, ça nous donne des raies charbon fibre. On les met en long comme ça. Ça nous donne des raies charbon mèche. Et après, dans le compresseur, le fameux compresseur. En fait, je gagnerais 10 000 fois mon temps si je faisais à la main. Ok, j'ai plus d'amère. Bah, ah. Hop, 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 hop. Voilà, c'est un gain de temps de fou. Tin. Ouh, j'ai bientôt plus de tin, moi. On va reprendre la temps. Voilà. Hop. Donc ça se fait tranquillement. Ok. Carbon plate, j'en ai deux, donc ça c'est bon. Alors, on avait dit MFSU. Ceci pour faire ça, je l'ai déjà. Ceci pour ça, des steel plates.
Oups. Still. Hammer. Ça marche pas. Alors. Parce que il faudrait peut-être le mettre dans la machine plutôt. Ouais, il marche dans la machine donc. Pom 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 pom. Les steel plate. Yes. Donc on va juste recharger un peu les batteries. Il m'en fallait quoi? Il m'en fallait 4. Ouais, 4. Ok. Alors. Ceci, ceci et ceci. Donc on va mettre ça là déjà. Et ça va s'enlever. Basique. Hop, c'est bon. Décarbone. Hop et hop. Ok, j'ai déjà ça et ça. Il me faut ceci, donc il me faut du lapis test, du lapis en poudre. Hop, allez. Ouh, ça fait pas les bons. Si, ça fait n'importe. Ça peut marcher. Ça doit marcher quand même. Alors, ça. Et R. J. Ah ouais, mais il m'en faut beaucoup plus, non? Non, c'était un au milieu. Ouais. Bah, il m'en faudra beaucoup plus parce que j'en ai pas assez. J'en ai que 4. Il m'en faut 6. Donc il m'en faut. Je sais même plus comment ça s'appelle. Et énergie. U. Hop, ça travaille encore. Il m'en faut encore 2. 1. Rien là-dedans. Bon. Et 2. Allez, dépêche-toi, Maurice. Merci bien. Alors ça. Ah, mais. Je te l'ai mis dedans. Hop. Ok, j'ai mes 6. Ça, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le charge, non. Le MFU et l'advancé. Ok. Donc c'était le charge pad qu'il nous fallait. Donc c'était juste ça et ceci. Ok, ça c'est bon. Et il nous faut le EV transfert. EV. EV. Celui-là. Donc c'est un HV transfert. Est-ce que je l'ai?
Ouais, je l'ai. Le diamant, là, je l'ai pas. Il faut ça. Ok, j'en ai un. J'en ai deux là-dedans, normalement, voilà. Ça. Ok, donc ça et ça. Ok, donc ça, c'est bon. Donc cette partie-là est faite, donc ça c'est cool. On va faire le semi-fluide, juste le dernier, voilà. Semi-fluide, juste ça, parce que je crois que c'est ça qui va nous permettre de faire les overclocks que je voulais. Tadam! Géothermal générateur. Ah, attendez, j'ai vu un truc l'autre jour. Pourquoi il me disait d'appuyer sur... Je sais pas. Il y a un truc avec M, je sais pas, contrôle M. Attends, on va juste regarder ensemble, vite fait. Ah bah IC2, Industrial Craft. Mode switch. M c'est déjà pris. W. Inventaire. X c'est déjà pris. C c'est déjà pris. V c'est déjà pris. Oh. Ah, attendez, alors on va retrouver l'endroit où c'était IC2. Alors, donc si ça marche pas, on va mettre ça et ça. Et pas un truc qui permettait de la récupérer, les trucs que je m'enlevais avec ça. Parce que là, ça marche que quick. Alt. Ouais. Ah, c'est toujours de la dope. Ok, donc au final, j'ai perdu ceci. Donc il m'en faut un four. Un four, j'ai dit. Hop là, voilà. C'est gentil. Il me faut des universales. Deux. Ok, donc ça c'est bon. Ça m'en faut. Il m'en faut quatre. C'est bon. Ok. Alors, ça sera biomasse. Ok.
Ok, bon, on a un petit peu avancé, je vais faire un petit peu de trucs standard comme les cristaux rouges, bleus et tout ça. Faire des items pour avancer la prochaine fois un peu plus vite, parce que là on s'est un petit peu été lent. C'était un peu lent donc voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine et